Hello tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à notre petit endroit d'intro habituel de concours. On vient d'arriver aux écuries, il pleut un petit peu mais ça va se calmer. Donc ça c'est cool, on croise les doigts pour qu'il y ait du soleil ce week-end. Je vous emmène avec moi au concours des Andelys. Donc c'est parti et bon visionnage. Let's go. On a un petit visiteur. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait ? Je m'occupe de préparer et d'emmener toutes mes affaires dans le vent. Bon, voilà le traditionnel attachage de malle. Là, elle est bien attachée, ficelée. Je vais fermer le vent et je vais aller préparer le reste de mes affaires. Hop, 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 hop. C'est pas pour maintenant. Ensuite, je m'occupe de la nourriture et de ramener tout ce qui ne va pas dans ma malle, dans mon vent. Bon, voilà, là j'emmène tout au vent, j'ai des seaux, les produits de lit, mon sac de pansage, un petit tabouret. Yeah. Ce seau broute tranquillou, après je vais la rentrer au box, lui faire les soins et gros dodo. La première journée est terminée. Yeah. Je vous retrouve le lendemain de bonne heure et de bonne humeur pour le départ et le premier jour de concours. On ouvre le vent. Et c'est parti pour le départ. Bien arrivé, je découvre toutes les installations et ensuite je retourne au box et au vent pour ranger et décharger toutes mes affaires. Je sens ma malle, alors sachez qu'on est resté enlisé tellement il a plu avec la voiture, on ne pouvait plus avancer. On a dû sortir le cheval en plein milieu. Enfin, je vous raconterai ça au calme après. Et je ramène tout devant le box de ce lit qui elle est déjà bien installée. Oh ma boubouille! Maintenant, il est l'heure de pionter et de se mettre à cheval. On est prêt et on est parti direction la détente. Soso est entraîné, je suis trop contente, là c'est parti. Allez Soso, un peu d'entrain là. Je vous laisse donc avec ces petites images de ma détente. On n'a pas été très gâtés par le temps, mais heureusement, il n'a pas plu sur ma reprise. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir la vidéo de cette reprise, mais heureusement, vous aurez celle de demain. Nous finissons à la deuxième place avec plus de 67,5%. Je suis super contente. On est deuxième avec ce lit avec plus de 67%, on a un jeu en 68, donc je suis trop contente, de ouf. Hello, bon du coup je vous retrouve exténuée, ne faites même pas attention à ma tête, je vous jure qu'on peut plus. Bon. C'est parti, là on va manger, je meurs de faim, c'est parti. Voilà, du coup on a fini de manger, maman, c'était très bon.
On est dans le noir complet, on a les flashs de téléphone. Ouais, je suis sûre que c'est par là. Tu crois que c'est par là? En fait, on va essayer d'aller au bloc de Soli pour finir les soins et lui mettre les bandes. Sauf qu'on n'avait pas prévu qu'il fasse aussi noir. On ne voit rien. Soso marche en foin, mais on voit rien du tout. Bon, alors du coup, je vous montre mes petits cadeaux. J'ai eu une plaque avec un beau flow. Voilà, DM Écurie. Ensuite, j'ai eu un stylo, un petit bonbon, un porte-clés. Et ça, regardez, il est pas trop chou. Ah non, il me fait trop rire. Voilà, il est trop drôle, une petite peluche trop mienne. Et un sac à dos. Voilà. Mon protocole, je suis vraiment contente du commentaire. Ça fait toujours super plaisir et ça motive d'avoir un commentaire positif comme ça. Vivement demain, bonne nuit. Et le temps, bon, c'est le matin, ça y est, deuxième jour de concours. Là, je passe vraiment plus tôt. Hier, je passais assez tard, je passais à 19h. Et aujourd'hui, je passe à 11h17, donc dans 1h30, faut que je sois à cheval. Donc c'est parti, on part de l'hôtel, je finis les pions de Soli qui ont dû se défaire pendant la nuit, je me coiffe, je la sèche, je la répare et go la détente, c'est parti, j'ai trop hâte. Du coup, je voulais juste en profiter pour vous montrer vite fait sur YouTube mon nouveau pantalon. Avec des petits strass en haut, derrière, très très joli. Voilà, avec le bas grippe. Et pour les gens qui sont un peu grands comme moi, je fais, enfin, qui font plus d'1m70, moi je fais 1m73, 74, il est pas trop court celui-là. J'ai mon petit chariot avec mes affaires. Je mets une banane dans les grains de Soli. Elle adore. C'est parti, direction le box avec le petit déj de Soli et quelques-unes de mes affaires. Je prends le temps de refaire de beaux pions. Et c'est parti à cheval. Je fais un tour du rectangle afin de le montrer à ma jument et c'est parti pour la reprise, je vous laisse avec ces quelques images. Je voulais remercier la personne qui a pris le temps de me filmer, donc merci encore si jamais tu passes par là, c'est vraiment super sympa. Pour cette reprise, l'entrée se fait au galop. On a un tracé au trot assez simple mais qui commence à pas mal s'enchaîner avec un cercle, une épaule en dedans et un appuyé. On a évidemment du trot allongé. Et pour le travail au galop, nous avons principalement des changements de pied, des fermes à ferme coefficient 2 et du galop moyen. Nous sommes encore une fois classés et aujourd'hui nous sommes à la 3e place du podium. Je suis vraiment super fière de ma jument et très contente. Du coup aujourd'hui je suis classée 3e, encore un podium pour Soso, je suis vraiment super contente. J'ai eu mes stylos mais je vous les montrerai quand je serai de retour aux écuries parce que tout est rangé. Donc voilà, je vais faire une petite photo avec Soli et c'est bon. Ce concours est maintenant terminé, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir, laissez un petit commentaire. Et moi je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.